Bapendwa. Chers bien-aimés, pende musipende. Que vous le veuillez ou pas, nous aurons besoin de Dieu jusqu'à notre enlèvement. Iwe mimi, que ce soit moi, iwe wewe, que ce soit toi, hakuna siku tutaishi bila kukua na besoin ya Mungu. Il n'y a aucun moment où nous vivrons sans avoir besoin de Dieu. Mimi nabambiaka hivi. Moi je vous ai toujours dit ça. Tu es une fille, unasema Mungu nipe Bwana. Tu es une fille, quand tu es encore une fille, tu dis Seigneur donne-moi le mari. Bunyumba haiko mwisho wa problem. Mais le foyer ce n'est pas la fin des problèmes. Kile kimejibiwa. Ça c'est répondu. Kinafungula zengine probleme za bunyumba zenye ba celibataire habakuwa kena. Ça ouvre encore la voie à d'autres problèmes dont les célibataires n'ont pas. Wewe unayua bei ya kulwe nyumba. Est-ce que toi tu connais le prix du loyer? Unabiyua? Est-ce que tu connais ça? Ça. OK. Unatokaka mwa hii fazi ya maisha. Tu quittes dans une phase de la vie. Unashukuru. Et tu rends grâce. Mungu anakuingiza mwingine phase. Dieu te fait entrer dans une autre phase. Chambre. Dans cette chambre. Muko tena zengine makalite za majaribu. Il y a d'autres qualités encore des problèmes. Zenye balikuwa mwa hii chambre ya célibat hawakuonaka. Donc ceux qui étaient dans la chambre de célibat n'ont jamais vu. Unaanza kutana. Tu commences à rencontrer. Zengine ma tentation, zengine ma problème zenye utahitaji Mungu mezenye hazikuwa kama célibat. D'autres tentations et d'autres problèmes donc qui vont te faire avoir besoin de Dieu qui n'était pas dans le célibat. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Mungu ni saidi. Dieu aide-moi. Que moi aussi je sois vieux. Dieu te dit je te donnerai la vieillesse. Il te fait quitter dans la chambre de la jeunesse. Il te fait quitter dans la chambre de l'âge adulte. Maintenant il te fait entrer dans l'âge de la vieillesse. Là dedans aussi il y a d'autres. Il y a d'autres situations que nous ne connaissons pas. Inaluma. Mais tu sens que les nerfs font mal. Inaluma. Le dos fait mal. Machu hayone mzuri. Les yeux ne voient plus bien. Mais moi j'enviais la vieillesse. Utahitaji tena Mungu. Tu auras encore besoin de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. David anasema. David dit. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. Kama iliweza kunifikia kuwa kupanga maovu katika moyo wangu. Kupanga maovu. Concevoir l'iniquité. Unisikie bapendwa. Écoutez-moi les bien-aimés. Tushindwe. Que nous puissions faillir. Tusiweze. Que nous ne puissions pas vaincre. Tuzaifuke. Que nous soyons affaiblis. Tusishindane. Que nous ne puissions pas vaincre. Na Mungu aone kama munia zetu. Mais que Dieu puisse voir que dans notre vie. Kwa kabatu wa kuikala. Nous n'avons jamais été de ces gens. Tu créer ma problème. Qui se sont assis et créé des problèmes. Dans nos têtes. Za kusema. Pour dire. Dafanya hiki. Je vais faire ceci pour que je puisse atteindre cela. Na Mungu aone. Et que Dieu puisse voir. Nia yako. Que dans ton désir. Hamuna kupanga maovu. Il n'y a pas la planification de l'iniquité. Bikushinde. Que ça devienne difficile. Mais na Mungu anayo aseme. Et Dieu sachant que. Moyo wake. Son cœur. Na roho yake. Et son esprit. Na mawazo yake. Et ses pensées. Na kinywa chake. Et même dans sa bouche. Bile njo binakuwa kati. C'est comme ça que ça a toujours été. Hauwezi shindwa msafari. Tu ne peux pas faillir dans les voyages. De concevoir l'iniquité. Lakini kuweza ku. Tu commences à vivre en disant comment j'aurai cette maman? Comment je ferai tomber ce papa? Comment j'aurai cette fille? Cet argent, comment est-ce que je le boufferai? Ces gens, comment est-ce que je les ferai? Je sèmerai les cœurs. Cette personne, comment est-ce que je lui ferai du mal? Comment j'atteindrai cette chose? Même s'il faut, même s'il faut qu'on m'excommunique, mais pourvu que je puisse l'atteindre. Concevoir l'iniquité. On a kupanga uovu. Amen. Amen. David anasema. David dit. Bahati yangu na neema yangu. Ma grâce. Alikutana siku yake mtu wa kupanga maovu. Dieu avait rencontré que je ne suis pas ce genre de personne qui conçoivent l'iniquité. Manake mtu mwenye hapangake maovu. Ça veut dire c'est quelqu'un qui ne conçoit pas l'iniquité. Akifanya dégâts. Quand il commet un dégât. Ni accidentellement. C'est un accident. Mais haya ikala mwezi. Mais il ne s'est jamais assis pendant un mois. Juma, des semaines. Donc ces choses sont en lui. Mais si vous voyez que ça se produit, pourtant c'était un projet des années et des jours. Amen. Amen. Si j'étais quelqu'un qui planifiait l'iniquité, Dieu ne pourrait pas m'écouter. Et ma prière ne me l'a pas jetée.
Ça veut dire que Dieu peut prendre la prière comme ça et il jette à quelqu'un dans sa face. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que nous puissions atteindre le niveau. Que nous arriverons où Dieu, quand il verra notre vie. Et qu'il puisse voir tes attitudes. Et qu'il dise. Il peut faillir. Mais il n'est pas parmi ces gens qui conçoivent l'iniquité. Que tu sois faible. Mais ta faiblesse ne soit pas là. Qui ne puisse pas contenir les choses, qui ne puisse pas y avoir des visages. Tu fais une chose. Même si naweza kuwa zambi wala kosa, même si sipendi zambi fanyizi. Même si ça peut être une erreur ou un péché, et même si je ne veux pas que le péché soit frère, vinakuwa yaseme frère, vile mnabiona tu njo vile. Tel que vous le voyez, c'est comme ça que ça s'est produit. Bilikuwa mwoye depuis quand? C'était dans toi depuis combien de temps? Même asubuhi habikuwa mumie frère. Frère, je n'avais jamais planifié cela. Même asubuhi hapa. Mais moi je n'ai jamais na shangala tu bimekwa. C'est dans ce matinée que kukutana, et tu vas rencontrer que fille kuangushe we garçon. Que la fille te fasse tomber toi garçon. Nalikukania 6 mois. Pourtant elle avait planifié cela pendant 6 mois. Kusanyika, elle est en train de communier. Haiko mutu. Ça ce n'est même pas une personne. Amen. Amen. Unakuwa naishi. Tu commences à vivre. Au temps du jour. Autant du jour. Si na bia jana binye bilinelala mukichwa bia kufanya leo bibaya. Je n'ai pas eu de choses que j'ai conçues hier qui ont passé la nuit dans ma tête. Que je dois faire du mal aujourd'hui. Je dois faire du mal aujourd'hui. On a quoi lundi? Ça devient le lundi. Uroho yako. Dans ton cœur. Hamuna bia nyulipanga dimanche ke utabifanya maovu ya lundi. Il n'y a pas l'iniquité que tu as conçue le dimanche que tu dois accomplir le lundi. Non. On a fait qu'à samedi. Tu arrives le samedi. Semaine yote mweye. Toute la semaine dans toi. Hamuna kitu kibaya ulipanga ke mwai juma ndakifanya tu. Il n'y a pas une mauvaise chose que tu as concise en disant que cette semaine je dois l'accomplir. Donc, mweupe, tu es blanc. Siku kwa siku, le jour du jour. Bila mipango, mibaya muroho sans yako. De mauvaises planifications dans ton cœur. Va prier. Habata kutupia maombi. On ne va pas te rejeter la prière. Vous avez besoin d'aller au ciel. Vous devez savoir que et s'il y a les gens dont vous avez découvert, nous ne sommes pas seulement ici pour être répondu à nos requêtes. Et nous ne vous amenons pas pour que vous soyez bénis charnellement et que nous nous limitions par là. Soyez répondus, soyez bénis, soyez aidés. Lakin, moi mon souhait est que les gens soient enlevés. Parce que même si on pouvait prier pour vous qu'il soit guéri, vous allez mourir un jour. Est-ce que Lazare n'était pas ressuscité par Jésus? Il est où aujourd'hui? Il est où? Mais il était mort encore. La belle-mère de Pierre, est-ce qu'on n'avait pas prié pour elle? Elle était guérie. Elle est où aujourd'hui? Elle est où? Il ne faut pas voir le présent. Il faut voir la bénédiction dans le présent. Mais après là-bas, nyuma kuna nini? Là derrière, qu'est-ce qu'il y a? Amen. Amen. Ça. Quand j'ai réfléchi à mes voix, 10 juillet 59. Nilipo tafakari kuhusu njia zangu tarehe 10 mwezi wa 6 59. Citation ziko mbili. Il y a deux citations. Il y a deux brochures différentes. Ni vitabu mbili tofauti. Quand j'ai réfléchi à ma voix. Kuna wakati kuna kitabu kimoja kinaitwa wakati nilipo tafakari kuhusu njia yangu. Kwenye njia zangu. Quand j'ai réfléchi à mes voix. Ma voix, mes voix. Njia yangu, njia zangu. C'est différent. Des branchures différentes. Maintenant, moi, je vais lire à mes voix. Sasa nataka kusoma kile kinachosema njia zangu. Paragraphe 28. Mtaji wa 28. Amen. Amen. Je vais lire un peu. Nitasoma. Juillet 59. Tarehe 10 mwezi wa 6 59. Il nous appartient à nous. Ni kwetu sisi, pendant que nous ne sommes pas en difficulté, wakati hatuko katika shida, de chercher Dieu. Tutafute Mungu.
Il nous appartient à nous tous. Il a tout bien quoi tout si si sauter. Pendant que nous ne sommes pas en difficulté. Wakati atuja kuwa katika shida. De chercher Dieu. Tout à fait Mungu. Il n'est pas bon d'attendre que nous soyons en difficulté pour alors chercher Dieu. Si vema wakati tumefika katika shida ndio wakati twende kutafuta Mungu. Il n'est pas bon. Si vizuri. D'attendre. Kusubiria. Que nous soyons en difficulté pour alors chercher Dieu. Kwamba tufikie katika shida ndio twende kutafuta Mungu. C'est mieux de le chercher maintenant. Ni heri kumtafuta sasa. En effet, kwa hiyo, il est écrit. Imeandikwa. Qu'il est un secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Kwamba yeye ni msaada usiyokosekana katika shida. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer cette citation? Nahitaji kabisa kufasiria mtajo huu. Haiko ya kufasili. Sina même pas expliquer. Siku tunangojea siku ya maproblème. Nous ne devons pas attendre le jour des problèmes. Je multiplie ma jeûne, ma prière. C'est là où nous multiplierons maintenant le jeûne et les prières. Apana. Non. Apana. Tu y fanye maisha yetu. Faisons cela notre vie.